En douceur et sans heurts, la filière canne réunionnaise entame sa révolution culturelle. Ou comment réduire encore davantage l'utilisation d'herbicides de synthèse dans les champs. Contrairement aux idées reçues, la culture de la canne en conventionnel, c'est la culture qui consomme le moins de pesticides après les prairies. Donc on est vraiment, on n'utilise pas d'insecticides, on n'utilise pas de fongicides, on n'utilise que des herbicides. Et comme on en a très peu, finalement on n'en utilise pas beaucoup. Donc le problème c'est qu'on doit aller encore plus loin dans cette réduction-là et essayer de trouver des alternatives, des méthodes complémentaires à ces produits qui nous restent. Informer les producteurs canniers sur les pratiques alternatives aux herbicides chimiques, c'est l'un des objectifs de ces journées techniques organisées récemment par le RITACAN, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Et aujourd'hui, l'agriculture française, on est poussé à monter en compétences, à être de plus en plus précis, parce qu'on a la réglementation en fait, européenne qui s'applique et qui est de plus en plus stricte. Donc on n'a pas le choix en fait, de se perfectionner dans la culture de la canne et principalement dans le désherbage. Donc il va falloir vraiment mettre plus de moyens, malheureusement, des actions qui vont être différentes. Avant, on utilisait plusieurs herbicides qui tuaient beaucoup d'herbes. Aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on combine et qu'on se spécialise sur cette thématique-là avec l'accompagnement des techniciens et puis avec nous, les partenaires, que ce soit AIRCAN, le CIRAD, la Chambre d'agriculture, et qu'on échange un peu plus là-dessus. Des progrès ont certes été faits dans ce domaine, même s'il reste encore beaucoup à faire. Néanmoins, les professionnels de la filière note une diminution progressive de l'usage des désherbants de synthèse en canne à sucre. Oui, le contexte veut que on s'occupe davantage de l'environnement, on se soucie notamment du transfert des produits dans les eaux, ce qui fait que la partie désherbage chimique a tendance à diminuer, du fait aussi de la difficulté de faire homologuer des nouveaux produits pour nous en canne. Et parallèlement à ça, les techniques dites que nous va appeler complémentaires, ils vont monter de plus en plus. Donc finalement, c'est un bon signe, quoi. Il faut souligner, c'est pour la santé de l'utilisateur et surtout notre environnement. Préserver l'environnement et la santé des agriculteurs devient désormais une priorité. Et le retour en force du désherbage mécanisé est également l'une des solutions proposées aux planteurs. Et là, nous avons des disques obliques. Donc le principe de ces disques-là, c'est venir, éplucher les mauvaises herbes. Donc on n'est pas sur des outils qui vont détruire totalement les adventices en intérant, mais on est bien sur une réduction d'enherbement, une réduction du recouvrement du sol. C'est des investissements supplémentaires, quoi, des coûts supplémentaires. C'est des investissements supplémentaires qui s'avèrent peut-être efficaces, mais... très efficaces vu le contexte de l'agriculture aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire au niveau des petits agriculteurs. Comme il disait avec vous, c'est plus... il veut vivre de l'agriculture et pas en mourir. Donc pour moi, l'utilisation des pesticides, etc., plus nous gagnerons du SA, mieux il est. Maintenant, il faut trouver des méthodes alternatives. De toute façon, nous est confronté à ça. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions et avancer dans ce sens. Maintenant, c'est une question de volonté et travailler sur le problème et m'y pense arriver. Quand on regarde en Inde, on a beaucoup d'outils sur les microtracteurs, etc., qui permettent d'arriver à là. La mécanisation avec du matériel adapté est en effet l'une des solutions techniques efficaces pour maîtriser l'enherbement en canne à sucre. C'est super ça, hein, comme matériel, oh là là. Regarde ça. Il n'y a même pas les cannes, rien, ça pousse. On a choisi des matériels qui sont, pour la plupart, des matériels qui sont utilisés en vigne, puisqu'on retrouve certaines similitudes, des interrents à traiter, comme en vigne, donc le microtracteur par exemple, et puis des outils effectivement qui viennent pour... maîtriser l'enherbement sur des interlignes. Donc on a fait le choix de ces matériels en pensant qu'ils pourraient être adaptés à nos conditions, à la culture de la canne à sucre. Maintenant, il faut les tester et voir si dans nos conditions, avec nos enherbements, avec les pentes, avec les différentes conditions qu'on connaît en canne à sucre à La Réunion, est-ce qu'ils peuvent être efficaces et qu'ils peuvent apporter en partie une réponse aux planteurs sur
la maîtrise de l'enherbement, avec toujours l'objectif, bien sûr, de réduire l'utilisation des herbicides. Mais j'insiste beaucoup, de réduire, mais pas de supprimer l'utilisation d'herbicides. Donc on est bien dans une démarche de méthode complémentaire avec les herbicides. Il faut se diriger justement vers un mode sans herbicides. Surtout quand on a des enfants, il faut leur laisser un bel héritage. Et puis il faut continuer aussi à bien vivre sur cette planète. Ça, ce sont des solutions mécaniques comme ça qui vous paraissent intéressantes? Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'on devrait plus les développer. Alors là, la monte azote un petit peu les plantes de service, les machines. Oui. Ça, c'est l'avenir? Il faudra essayer. Donc pour l'instant, on est encore un peu sceptique, mais il faudra essayer de voir par la suite, quoi. Selon les essais que va être mis en place sur certains agriculteurs. Voilà. Une autre solution pour lutter contre les mauvaises herbes consiste à utiliser des plantes de service dans les interrangs de canne. Donc en termes de plantes de service et de résultats qu'on a sur nos essais, donc l'avantage de ces plantes-là, c'est qu'on peut arriver à des réductions d'herbicides de moins 80% comparé à nos témoins chimiques. Mais en contrepartie, il faut souvent faire un désherbage manuel complémentaire justement pour aider les plantes à se développer en contrepartie des adventices. Je pense que c'est un système qui a de l'avenir. On a de moins en moins de désherbants, donc il faut qu'on trouve des solutions alternatives, ça c'est sûr. Alors, même si effectivement ça demande de modifier ces techniques, ces pratiques culturelles, quoi, hein, ça demande beaucoup de... De toute façon, on sera obligé de changer nos pratiques culturelles. Aujourd'hui, on se repose beaucoup sur les traitements chimiques. On sera forcément obligé de passer sur plus de traitements mécaniques potentiellement, des plantes de service, et c'est pour ça que ces journées-là sont intéressantes. C'est essayer de faire germer des idées, c'est le cas de le dire, des bonnes idées, pour trouver des solutions et des nouvelles techniques culturelles qui soient adaptées à notre contexte à La Réunion. En tout cas, on peut dire que la FIA, d'une manière générale, se prépare à ces évolutions. Oui, voilà. Enfin, la fin et la suppression des herbicides, c'est vraiment une grosse étape pour toutes les cultures, pas que la canne. Ben, on essaie de s'y préparer au mieux pour pouvoir anticiper et passer de manière plus sereine cette période-là. Donc, c'est toute l'idée de ce type de journée-là. Donc, c'est vraiment démontrer aux planteurs et montrer et démontrer aux planteurs qu'on a des techniques aujourd'hui qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves. Elles ne sont peut-être pas toutes forcément aussi efficaces qu'un produit chimique, mais quand demain il n'y en aura plus, eh ben, il faudra se rabattre avec ce qui marche et ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire.